Tu veux de la weed? Achète. Comment ça, t'es pas intéressé? Bouffonne. La plupart, ils me disent que c'est trop petit. De quoi? Bah, la taille, quoi. Par contre, il a un gros pénis, hein. C'est dard, ça, mais c'est... Le Santos Express. T'inquiète, Oli, je suis plus endurant. Quoi? Ah, tu peux trop rentrer comme ça. Ça va ou quoi? J'arrive en RS4 et sur ma vie j'ai envie de faire un drive-by. J'pense à mes sous qui dorment dehors, c'est dingue. J'me dis merde, j'prends une grosse sur le passage. Eh ouais, j'suis prise. Ouais, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Ouais, c'est bien ou quoi, mes moumous? Ça a dit quoi, bande de ploucos? Vas-y, go acheter des TN là. À Skip, y'a des TN. J'ai la pire texte de tout le serveur. Oh! 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 Oh, elle est énervée. Oh, ma moumou. Oh, elle est carrément incroyable, mec. Mais putain, mais elles sont violentes. Putain de sa mère, attends, elles sont énervées, celles-là. Ouais, mais gâtée. Est-ce que j'ai un dream? Vas-y. J'ai un dream, gâtée. Let's go, c'est parti. Ouais, les gars, ça va ou quoi? On fait quoi? Oh, putain. Mais t'as un... Oh, la sensation, ce gig. J'ai eu une sensation, ce gig. Oh, le pendero qui m'appelle. Le pendero. Oh, chicas. Aïe. Oh, pendero, ça va ou quoi? Qui est ta mère, Wesley? Pendero. Attends, que je te le dis. J'ai une petite mission pour toi, la soeur. Vas-y pendero, on arrive. Rappelle-moi pendero, je te dis. Tiens ta cosse, Pendero. Vas-y, on y va. Il est au barrio. Oh les gars, faut qu'on dise aux gens de voter pour le président là. Parce qu'il nous a quand même donné 50 000 boules, hein, le frérot là. Tu veux de la weed? Achète. Comment ça, t'es pas intéressé? Bouffonne. Vas-y, bouge. Comment ça, y'a plus de pneus? Y'a un pneu droit. Oh, merde. Vas-y, je me casse. Je vais la pécho. Ce soir, je la ken. Je crois combien de putain de voiture de bagos, hein. Y'a une course poursuite là. Comment ça, y'a une course poursuite? Mes frérots. C'est qui eux? Vas-y, garde-toi. Parce quoi? Je vais te réparer la côte et la tête de ma mère. Tu le juste. Oh, le pendero, il est où? Ah, il est là. Oh, pendero, il a sorti. Il était. Ça dit quoi les mecs? Aïe! Ça dit quoi les mecs? Il fait quoi? Il m'a défendu, il m'a descendu ce bâtard. Eh, t'aimes bien mon flow ou pas aujourd'hui? Ça va, l'été en orange, je suis pas trop fan. Sale merde. J'ai rien dit, je rigole. Ah! Voilà. Arrête, gros, elles sont incroyables, les TN orange. Voilà. Ok, vous êtes prêts? On est toujours prêts. On va faire un go fast. Oh, un go fast. J'ai toujours rêvé d'en faire un. T'es qui, lui, là? Ouais, le barrio, c'est chez... Mais il m'a demandé de venir, c'est pas chez ma mère, le barrio. Je t'ai entendu, là, frère. Mais tous les soirs, t'es qui? Wesh, vous m'avez vu 50 fois. C'est qui, lui, les gars? Avec sa coupe, là, sa boule sur le crâne. Il a un dégradant, le pauvre. Pourquoi t'as des lunettes de ski? Pourquoi il a des lunettes de ski? T'enculé. Allez vous habiller en noir et revenez. Oh non. Non. C'est que crâle. Si je m'éloigne des faux, ça fait froid dans le dos. On va aller dans le sud, on va aller se préparer. Vous êtes sûr que vous voulez rester dans ce moment-là? Ouais, t'inquiète, on reste comme ça. Bref, on va faire un go fast pour un cartel mexicain. Ok, c'est ici qu'on va chercher la marchandise. Voilà, la marchandise, elle va arriver ici. Vous avez une radio, vous? Non. Vos mères la pute. Ok. Non, il n'y a personne qui nous a la radio parce qu'ils n'en ont pas. Et arrivé là-bas, Wesley, il faudra négocier. Oh, bah alors, ça, c'est les trucs que je sais faire, ma boubou. Toi, ton but, c'est de la vendre à 40 000 $. Donc, lui, il va venir, il va te passer peut-être 30 000 $. C'est à toi de négocier avec. Moi, je prends le flingue, je lui dis, tu me donnes 10 000 en plus, c'est ça? Bon, les gars, je stresse. Hein. Ah, t'as vu, là, ça t'entend pas, là, Wesley. Ok, reçu le refait. Dis pas que c'est la même pour parler. Trop envie de ses pour là. Non, t'inquiète, non. Ma vessie, elle est remplie de. Allez, go, c'est parti, les gars. Ça commence. Le go fast commence. Vas-y, commence à avancer, Wesley. Vas-y, j'avance. Ils sont de tension. Vas-y, j'avance. Faut que je conduise bien là, parce que si on a plus de voiture, c'est mort, c'est ça? Mais non, mais dépasse pas. Aïe. Déjà, Mani, il refait un truc comme ça, je lui mets une balle à la tête. Eh, Mani, tu refais un truc comme ça. Il comprend pas que j'ai 100 kilos de cocaïne là, il croit que c'est un jeu ou quoi? Non, c'est à droite, recule, stresse pas, Wesley. T'inquiète. Je vois que tu stresses un peu, stresse pas. Ça va bien se passer. T'as confiance en nous? Avec ce que je viens de voir, pas trop, mais bon. T'inquiète, c'est le début, c'est le temps d'adaptation. C'est rien. T'inquiète, je manie le volant. Y'a une moto bizarre qui nous suit. Ah ouais? Ouais, toujours derrière. Qu'est-ce qu'elle branle, elle? Eh, je vais la tuer, elle! Stresse pas. Je t'ai dit, on peut se faire. Elle suit toujours. Oh, ils sont crasses. J'ai fait exprès, c'est pour suivre la moto. Ah. 100
kilo, ta grand-mère la pute. Un convoi ne s'arrête jamais. Jamais. Ça glisse un peu. En fait, les gars, j'ai les mains de Spider-Man et ça glisse de fou. Je me sens bien à tes côtés. Tu te sens en sécurité? Ouais. Moi, quand je suis à côté du tien, je suis pas trop en sécurité, moi. À côté de moi, t'es pas en sécurité? T'as 100 kilos de coke, tu viens de me faire fumer un camion. T'inquiète, fais-moi confiance, on va réussir la mission. Il me dit c'est un test, je le descends. C'est qui lui? C'est qui ce con? Oh, il fait des queues de poisson, cet enculé. Oh la putain de sa mère! C'est eux derrière? On se fait péter, On va rien se faire péter du tout! Arrêtez-vous, je vais tous vous tirer dessus! Putain de merde! T'avais dit de pas fraquer la voiture! Ah, pousse. Il me le faut! Ok, regarde le brain! Allez hop, ça dégage! C'est moi qui tire! Ah ouais, je suis trop chaud. Faut qu'on les dérange, C'est bon, oh, on les a niqués les deux. Bien joué les gars. Oh les gars, comment j'ai ces brilles. Ils sont derrière. Trace. Allez la voiture, C'est ça qui va m'arrêter. Oh le cul, l'enculé. C'est ça qui va m'arrêter. Oh putain. Wesley, je l'ai volé le Moonbeam. C'est le propriétaire du Moonbeam, ça, vas-y. Eh, hey, t'arrêtes pas, on leur a baisé 100 kilos. Elle avance plus, le Camtar, il avance plus. Ah, sa mère la pute. Qui revient foutre la merde. Est-ce qu'on change de trajectoire ou pas? Arrête-toi. Eh, vous allez me vider tout de suite là, ce qu'il y a là. Bestonal, puta. Écoute-moi, tu vas aller voir ton boss, toi. Et tu vas lui dire que je t'ai baisé la cargaison. T'es vers Tougou, il est de retour. Et je te baisse ta mère. Allez, nique-moi ta grand-mère d'ici. Allez, partons. Écoute-moi. T'as compris ou pas? Bouffon. Non, vas-y, reste. Bouffon. Reste ici. Monte dans le moulbit. Dans le coffre, on t'a dit, dans le coffre. Tu fais faucher le réfé. Quoi? Attends, W, on va prendre le 4-4. T'as oublié qui je suis. Eh, je pisse sur ton réfé, hein, peut-être. On ne l'oublie jamais, ça. Trou du cul de merde. Ok. W, c'est ton moment, négocie. Ok. Allô? Lola. Hola. Attends, t'as dit nous quatre. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, alors? Non, lui, il a voulu nous péter et on l'a pris en otage. T'as voulu nous baiser, t'es sûr? Non. Eh, les gars. T'as voulu nous baiser, toi? Non, on l'a pris en otage, lui. Lui, c'est un chien, lui. Non, je vous ken pas. J'ai rempli la part du deal. On m'a dit que tu traînais beaucoup avec un certain Vertugo. Ouais. C'est qui? Je sais pas, c'est un mec que je croise souvent. Il m'a donné 2-3 tafs de temps en temps, mais sans plus, quoi. Ah, donc c'est lui qui t'a mis sur le filon. Ça, c'est un autre gars. Ça va être très simple. Tu traînes avec Vertugo. C'est Tiejo et Puto, là. Il nous a volé beaucoup de cargaison. Ouais, je comprends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il tourne mal. Ah, il vous a volé de l'argent? Il a volé de l'argent, des labos, de la cocaïne. Ma cam! Ma cocaïne! Je vais te payer pour la cargaison. Par contre, Vertugo, ouais. J'ai envie d'avoir des informations sur lui. Tu veux des infos sur lui? T'as des informations sur lui, tu m'envoies directement. Ok, vas-y. Bref, check. Je check pas. Ok. Pour le paiement, on a convenu 30 000 dollars. Ah, frérot. Chef, regarde-moi. Moi, tu me dis si j'ai des infos, etc., je te les donne. Et tu me dis, je te donne 30 000. Là, la cargaison, ça vaut facile 40. Donc, donne-moi 40, on n'en parle plus. Si j'ai des infos sur Vertugo, je te les donne. On a affaire à un grossiste, du coup. Qu'est-ce que tu dis? Je suis pas gros. Qu'est-ce que tu dis? Je fais 56 kilos. Qu'est-ce que tu me parles de gros? Fous de ma gueule, écoute, en plus. Écoute, ça va être très simple. Ils me cherchent parce qu'à chaque fois, je leur pète leur convoi, leur labo et tout. Mais ils savent pas que t'es là! Mais ouais, ils savent pas que je suis là, c'est pour ça que je prends une autre voix, t'es sérieux? J'aime bien ta petite voix là. Enlève ta cagoule! Jamais de la vie, t'as baisé! Mais attends, je meurs! Non. On vous passe 36 000, c'est notre dernier prix. Alors là, t'es parti 5 minutes pour rajouter juste 1000. Tu veux que je reparte 5 minutes et que je revienne plus jamais? Parce que là, actuellement, regarde, j'ai la coca, les armes et l'argent. Si je veux, je te baise et je me casse. Ouais, mais t'es réglo comme mec, non? Dernière offre, poire en 4. 36 183. Non, 194. C'est poire en 6, sinon c'est mort. La plateau, vous pouvez repartir. Okay. Merci pour votre professionnalisme, les gars. Et Hermano, un conseil la prochaine fois. Ouais. Viens pas juste avec ta bite et ton couteau, viens avec une arme peut-être. On aurait pu vous baiser là. Mais moi, c'est une arme, moi, tu crois quoi? Personne t'a parlé, toi, allez. Benga, bougez de là. Bonne journée, merci, les gars. À vous, je suis trop chaud. Les gars, de base, c'était 30, j'ai négocié à 36 000, je suis content en vrai. On a réussi le go fast. Oh, il achète des pommes, lui. Yo, ça va, frérot? T'as besoin d'aide? Wesh. Vas-y, roule, accélère. Quoi, il t'a fait quoi là? Mais t'as un baiser. Pas sa gueule. Ok, j'ai un coup de fil à passer, les gars, c'est professionnel. Allô, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais. Tranquille, on se capte tout du coup. Tu veux que je vienne te chercher? Je t'envoie une pause. Attends, comment il va, Chico? Vas-y, on fait ça. Donne-moi quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Vas-y, j'y vais, je reviens. Arrête, c'est bon, je rigole. Aïe. C'est bon, j'arrête. C'est combien? Je vais chercher ma buffalo, je vais la pécho. Je vais la pécho. T'es grand maintenant. T'es grand, Inox. T'es grand, Wesley. Aïe.
Yo. Mais je te connais, toi. Eh, bah attends, t'avais pas une bécane avant, le ref? Mon pauvre, sans le chapeau, moi, t'as giga calvasse. Espèce d'enfoiré. Allez, j'y vais. Allez, va te dépuceler. J'arrive, Poppy. Oh, les gars, je stresse, mon cœur bat fort. Allez, mon grand. Allez, mon grand, ma moumou. On va voir une meuf. Là, moi, je vais arriver, je vais faire. Oh le tarpé! Oh le tarpé! Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber. Oh le tarpé! Oh Pendero, là je vais en date. Donc me casse pas les couilles, frère, je gêne pas. Y'a la place là, tu vois bien? T'as le chien. Yo, ça va ou quoi? Salut, ça va et toi? Attends, bouge pas. Vas-y, je te tape à la bise, façon, tu connais. Hein. Viens, ouais. Tiens, entre. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, pas de soucis. Ouais, tu t'as dans quoi, toi, du coup, depuis la dernière fois? Bah, je suis toujours au concesse. Au concesse? Au concesse, c'est ça. T'en penses quoi de ma voiture? Écoute, elle est sympa, j'aime bien le néon rose, là, c'est... Tu sais, généralement, les néons ronges, t'as capté ou pas? Non. Non, explique-moi. Bah, t'as capté. T'as pas capté? Non, j'ai pas capté. Ah, franchement, t'es éclaté, c'est honteux, là. Bah, si je te fais. T'as pas capté? Et j'ai pas peur de. C'est ça les néons rouges! Ouais, j'y étais pas. T'as 27 ans, tu m'avais dit! Ouais, c'est ça! Moi, je fais quel âge en vrai de vrai? Moi, j'ai 23. Non, 25. 25, putain, qu'est-ce que je dis? Ah ouais? Ça se voit ou pas? Ouais, tu es peut-être un peu plus jeune, la vingtaine. La vingtaine, ouais, de toute façon, c'est dans ses alentours, hein, 18. T'as 18 ans? Non, 18, 18 gamos. J'ai 18 gamos dans le garage. Ah! Oui, putain, j'ai fait une gaffe. Poppy! Pourquoi il me répond pas, putain? Attends, je vais l'appeler. Ouais, allô? T'as de beaux yeux, tu sais. Ah ouais? En fait, je suis trop gentil avec les meufs. Bah, elles me quittent. Bah, en fait, la plupart, elles me disent que c'est trop petit. De quoi? Bah, la taille, quoi. Bah, 3, c'est pas énorme. Ouais, mais 3 quoi? Bah, 3 centimètres, quoi. C'est pas la taille, c'est ce qu'on en fait, hein. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça? Mais je sais pas si 3, ça rentre, là. Enfin, si 3, mec, on peut rentrer dans la forêt, quoi, dans la fête foraine. Mais après, ce qui est bien, c'est que j'ai des doigts plus longs. D'accord. Donc c'est bien, non? Bah écoute, ouais, je pense, ouais. T'as de beaux yeux, putain. Tu vois, je suis tombé. Bah oui, ouais. Mais je crois que je suis tombé amoureux. Ah bon? Ouais. Mani, il s'est pris une balle de sniper, il est entre la vie et la mort. Comment ça, il est entre la vie et la mort? On s'est fait braquer au barrio, j'ai failli mourir et Mani, il s'est pris une balle de sniper. Putain, vous cassez les couilles, j'y étais presque. J'ai un pote, il s'est pris une balle de snipe. Hein? Est-ce que tu m'accompagnes? Bah ouais, mais tu te fous de ma gueule. Quoi? Mais comment il a fait ton pote pour prendre une balle? Zach. Ok, il s'est fait soigner, il est pas mort, mais il est pas bien. Ok, bah fais-lui un rythme cardiaque, bouche à bouche et tout, vas-y. Dans la capitale, vers Paris. Et c'est ça, exactement. Je suis carrément chaud ou pas? Ouais, t'es grave. Vas-y, viens, chaud, on monte. Ouh. C'est là pour aller dans la fête foraine. Tu notes combien mon style? Moi, je note ton style, tu notes mon style. 8 sur 10. Ouais, ça va, c'est pas mal, hein. Moi, tu vois, je peux pas compter tellement il y en a. Tu sais que t'es belle, Poppy. Je vais garder mon téléphone à côté. Un bon petit cul, lui, hein. Vas-y, bah, vas-y, je te suis. Attends, t'as dit quoi? J'ai dit bon petit cul. Bon petit. Le monsieur, il te plaisait, là? Est-ce que je vais chez elle, les gars? Y a un petit parc qui est sympa avec des jeux. Ça te dit ou pas? Tu veux m'emmener faire des jeux, là? Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde, tu veux voir comment je suis fort en manœuvre? Mon cœur, je le fais manœuvrer comme ça. Merde. Il se passe un truc là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh puis j'ai mal au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, attends, on va aller à l'hôpital. Ah non, ça va. T'es sûr? Attends, prends ma main. Vas-y, ça va aller. Oh, juste ta main. Tu vois là, j'ai quelque chose dans mon corps là. T'es sûr que tu travailles dans les voitures? Bah oui, pourquoi? Tu serais pas chirurgienne par hasard? Non, pourquoi? Parce que t'as mon cœur entre les mains. Ah ouais? Waouh, c'est. Aïe, je suis désolée, Poppy. Aïe. Et toi, vas-y, dis-moi. Attends, fais attention. Bonsoir. L'oxycivier que là qui est recherché. Pas moi du tout que vous recherchez, monsieur. On était en train de se pécho dans le parc là-bas. On niquait. Est-ce que je peux avoir, monsieur, s'il te plaît, le carte d'identité et le permis de conduire? Whisky crack. Il le permet de conduire, s'il te plaît, jeune homme. Il est dans mon autre véhicule, dans le garage. Malheureusement, son permis de conduire, je peux pas vous laisser conduire un véhicule, vous comprenez? Eh, dis que t'es ma femme. Dis que t'es ma femme, c'est pour le contrôle, ok? Maintenant, vous me parlez, vous me faites mal à la tête. Prenez la voiture, circulez, s'il te plaît, madame. S'il vous plaît, parlez mieux à ma femme. Voilà, je vous demande juste ça. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un problème? Mais là, vous manquez de respect. Vous manquez de respect à ma femme. Vas-y, monte. Non, prends-le en course-poursuite. Vas-y, mais pourquoi tu leur as mal parlé? Parce que ça va la... Ah vas-y, trace. L'homme, c'est moi. Poppy, ouais. Avec moi, t'es en sécurité, sache-le. Armé, bien sûr. Moi, je suis pas un rigolo, moi. Poppy, tu sais que je commence à bien t'aimer. Hein. Est-ce que c'est réciproque? Ouais, c'est réciproque. Ok, c'est carrément carré. Oh, pas de soucis. Ça me fait plaisir. J'étais obligé de trouver quelque chose, quoi, qui était plus beau que tes yeux, et encore. C'était compliqué. Mais par contre, là. Putain, les cinquièmes, là. Quoi? Putain, là, les bruits des sirènes, comment elles sont. Elles cassent les couilles. Ouais. Et imagine, demain, c'est toi qui vas à l'hôpital.
l'hôpital, tu vois, ça va se passer comment? Bah, tu viendras me faire un bouche à bouche. Ah, mène-moi à l'hôpital! Ah! Bah, demain, si tu veux, on se revoit. Et après, je te dépose chez toi. Et on finit dans ta chambre et je te ken. Quoi? Putain, on regarde Ken le survivant, j'ai dit. Ah! Voilà. Et je te fais la bise, hein. Vas-y. Hein. Désolé, moi en France on fait 4 bises. C'est ça énorme. C'est. Putain, la voiture elle est énorme. Hey, t'as vu son fiac? Gros, j'arrive pas à la regarder dans les yeux. Tout au sus? Non, mais regarde en dessous. Oh, y'a. Oh, en train de chier. Attends, je vais goûter. Ah, mec, t'es dégueulasse! Ah! Non! Oh, mais RF, merci beaucoup. Mais c'est pas moi! Oh. C'est la grosse daronne. Toi, tu fais quoi? Je vais te faire ta fête. Va sur lui. Okay. Je vais te faire ta fête. Vas-y, apprends-moi. T'es sûr? Putain! Ouais, tu vas déjà. Sors de là! Slim, tu fais quoi? Je vais vous niquer. Refais, j'ai trop envie. Mais arrête, c'est l'enfant, ta grand-mère, il a dit supige. Je m'en bats les couilles, je suis allé en prison, j'ai. Non, non, apprends-moi, s'il te plaît, apprends-moi! Sur la vie de ma mère. Putain! Non, arrête. C'est fils de. Non, arrête. Oh, il faut que je m'en arrête. La peau douce, c'est trop. Wesley, c'est quoi ça? Wesley? Oh putain! Il t'a touché? Oui. Il t'a pas touché, non. T'es quand même le premier mec que j'ai embrassé, hein. Oh, je... Non. Vas-y, écoute-moi. Je veux bien que tu comprennes ça. C'était la grosse tata, c'est pas moi. Bon petit cul, hein. En plus, non, tu m'as fait un câlin. Dis quoi, bon petit cul? Non, la meuf. Tarpé del Refe. Quoi? C'est ton cheval? Quoi? Attends, t'as un cheval? Mais attends, c'est trop bien! Gros, c'est incroyable! Les gars, vous savez qu'on peut faire ça? Par contre, il a un gros pénis, hein. Hey, get. Oh ouais, ça va, Zach? Vas-y, on se casse, hein. On va voir El Refe. Appelez-le, on lui demande s'il est là. Ok, El Refe, il nous attend en balio, les gars. Les gars, vous savez où je peux cacher mon gun? Si jamais un jour je me fais choper, est-ce que je peux mettre le gun dans le coffre de la voiture? Oui? C'est quoi la touche, les gars, pour cacher le gun? C'est F? Bande de fils. Oh, j'ai la haine! Eh, plus jamais je vous écoute! Non, mais le pire dans tout ça, c'est que je sais que Eve s'est sautée de la voiture. Sauf que c'était tellement rapide dans ma tête. Oh, c'est trop! Oh, mon enculé! Oh, Pendero! Salut! Oh, mon Pendero préféré, ça va ou quoi? Le Refi s'est torché le cul avec sa tête. Je vais niquer ta grand-mère la pute, Wesley. Et alors, comment? Oh, my On n'invite pas les amis! Ça va ou quoi? On n'invite pas les amis! Hey, toi, tu kiffes trop rentrer comme ça! Ça va ou quoi? Ça va? Au calme? Au calme, Zer, hein! T'as Lewandowski, bah là, je suis en train de jouer, tu connais? Ouais, je suis sur GTA là! Tu te régales? Je me régale fort, hein! J'aime bien ce jeu parce que tu peux faire ce que tu veux! Ah, tu fais ce que tu veux! Là, j'ai une deuxième vie! Non, là, tu peux pas là! Pour rien! Ah, mais là, tu peux pas là! On est violent. Joue. Bah non, Henri, si tu joues, moi c'est mon perso. Vas-y. On est venu te faire un petit. On est carrément ensemble. On est sans toi, juste tu joues. Vas-y, t'es où, tu joues? Père de tête de la rue, frère. Les gars, l'album de l'Algérino, elle, c'est annoncé là. C'est annoncé là, Moumou. C'est carrément incroyable. Bah ça va en détente. Tu prends toujours ou pas? Ouais. Quand on se passe une séance, à un moment donné, tu montres un peu ce que tu peux faire. Mec, c'est incroyable, non? Eh oui! Moi, je suis trop chaud! Oh, la team Inox! Vas-y, là, tiens, prends le micro! Regarde l'équipe! Là, ils te répondent dans le chat, là! Alors, l'équipe, ça va? Putain, ça défile, là! Ah non, là, ça défile! Vous êtes combien? Ils sont combien, là, l'équipe? Je sais pas combien ils sont, mais ils sont beaucoup! Ils sont des tonnes, hein! Y'a un mec qui a dit, il ressemble à l'Algérino! Mais c'est l'Alger, Beloumi, on est là avec Inox! Funky Knox, mon pote. Vous savez, il écoute Funky Knox, là. La force des choses. Il est frérot. Trop dans le truc. Djibril, on te fait un gros bisou, Djibril. C'est ton fils, Djibril. Djibril et Alia, oui, ça va faire mal. On est carrément ensemble. Grosse dédicace. Un bisou à Djibril dans le chat. Djibril et Alia, on ne t'oublie pas. Et on est carrément ensemble. Ça va, toi? Le projet, t'en es où? 100K, là, on a passé la barre des 100K, les refs, ou pas? Ça va bien? Il y a du 100K, ou pas? Parce que nous, on...
On aime te voir sur YouTube et tout, mais on veut écouter un peu du son. Ah, mais moi, tu sais, j'hésite à faire refaire un son. Mais il faut refaire. Tu sais que eux, ils veulent. Hein. L'équipe, la team Inox, là, vous voulez du son ou pas? Parce qu'attention, il prend un maximum de flammes, si pour partir, on part sur un son avec l'Alger. Ben oui. Un maximum de flammes. Je t'annonce. Un maximum de flammes pour un son avec l'Alger, les refs. La commu maximum. Pompé. Je m'en bats les couilles, pompé. Là, on est en live. Pompé, les refs. Maximum de flammes. Attends, mais c'est incroyable, c'est bon, ils ont spammé les flammes. L'équipe, je sais que vous savez qui fait de la prod et tout, mais moi j'ai écouté, je suis un expert, c'est chaud. La drill qui m'a fait écouter la dernière fois, c'est bouillant. Dinguerie. Hein? Et là, il y a un truc pour la commu bientôt. Ouais. La commu. Il faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Mec, c'est carré. Ah, maximum de flammes. Il y a que des flammes. Le feu. Mais les gars, croyez pas. Croyez, si, on a dit les flammes. Tais-moi les flammes, c'est mort. Mais t'es un ouf, t'es dans la merde. En tout cas, ils prod déjà, c'est chaud. Algerino, on a parlé devant live, devant des centaines de milliers de personnes. On va faire la chose pour d'habitude. Mais attends, mais t'as. Tenir nos paroles. Ouais. On est parti d'une génération, on tient nos paroles. Tu vas faire un truc avec l'Algerino, c'est la commu qui décide. On verra. Mais regarde toutes les flammes. Mais attends, mais gros, t'imagines. Je savais pas que c'était chaud comme ça. Mais gros, Inox fit l'Algerino, c'est impossible. Vous êtes des baisers, vous. En tout cas, restez connectés, l'équipe. Restez bien connectés. Ils sont trop forts. Pourquoi y'a personne? C'est un putain de kidnapping. Comment on fait un braquage, le chat? Ah bah non. Oh, purée de pommes de terre, je kiffe. Je kiffe mon équipe. Allô, dégage. Une autre, on va une autre. Pourquoi y'a personne? On va une autre. Elle est fermée, on va une autre. Mission annulée. Bonjour, ceci est un braquage. Sortez les armes. Désolé. Tu cries. Niquez ta mère. Ceci est un braquage. Donnez-moi tout l'argent que vous avez dans votre caisse. Oh, pendejo de mierda. Sors tout l'argent qu'il y a dans la caisse. Sors tout l'argent. Oh, pendejo. Sors l'argent, pendejo. Désolé. Désolé, Manu, désolé. Oh, Pedro, donne-moi tout l'argent qu'il y a dans la caisse. Ok, les gars, ok, on se replie. On va chercher le gun. Trace, on prend le gun. Allez, deuxième tentative. Hello, Pendejo, donne-moi tout ce qu'il y a dans la caisse maintenant. Donne-moi maintenant tout ce qu'il y a dans la caisse. Vas-y, grouille, fais vite. Et que ça saute. Voilà, donne le sac maintenant. Donne la kista. Donne la kista, donne la moula. Elle m'a donné. Je crois qu'il m'a donné 2000. Il m'a rien donné, ce bâtard. Vas-y, on se casse. Casse-toi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réveiller la pizzerie et on va attendre la police. Allez, c'est parti. Allez. Eh oui, mon ami. Ok. Ok, tu as mon pistolet. Formez les petits là. Go. T'en braques tout. Surtout, vas-y, donne tout carton. Mets dans le sac. Voilà, donne-nous le sac. Donne le sac. C'est bien, bien joué. Ok, c'est bon. Tonton, ils arrivent quand là? Oh, c'est fils de pute, je sais même pas. La Macarena, Amakade, Konomonamarena, Nokanani, Makananana. On se tire, on en fait une autre. Attends, y'a un mec dans la voiture verte, bouge-moi. Déjà? Mais bouge pas. Wesh, mec. Aïe. Merde. Ouais, ça va ou quoi, mec? Bah, on est là, frère, hein. Ça envoie des nudes, là. Ah ouais? Vas-y, monte. Attends. Parce que là, je vois que tu t'approches de la fenêtre, j'ai la bite à l'air, frérot. C'est... Wesh. Ah ouais? Putain, mais. Mais elle fait facile 20 cm. Je peux la sucer? Regardez pas, quoi. Quoi? Comment ça? Non, je veux le succès. J'ai dit, je veux du succès. Ah, le succès, ouais. Ton short extra large, il va pas t'emmener au succès. Hein, comment ça, mon short extra large? Ta barbe de 3 jours. Et toi, ta bite extra large? Eh, tu connais une meuf qui s'appelle Poppy? Ouais, je vais la voir là, justement. Jure! J'étais en train de parler avec elle là pour mes ça. T'as un mytho. Ah non, pourquoi? Vas-y, attends, je peux monter avec toi quand tu vas la voir? Juste, on monte. Attends, je te crois pas. Vas-y, on monte dans la voiture et tu vas la voir, on fait genre on n'est pas là, ok? Bah ouais, mais va vous voir, quoi. Non, on va derrière. On va derrière, on parle pas. T'inquiète, je me mets sous le siège. Vas-y, hein. Sinon, mettez-vous dans le coffre, hein. Ouais, t'as reçu mon snap. Ça sent pas bon là. Vas-y, monte. Pourquoi? Bah, je sais pas, on va se balader tranquille, on part. Bah, je crois que tu voulais acheter une voiture. Oh la grosse pute! Après, on peut discuter. Pardon. T'as en voiture, tu connais. Pardon. Attends. Quoi? Elle me trompe! Je te la kidnappe un peu là, enfin. On revient. Yo, ça faisait longtemps que c'était pas vu là depuis l'événement. Bah, depuis hier, ouais. Attends, c'est quoi ça? Ok. Et là, je t'ai envoyé un snap, faudrait que tu regardes après. Un snap rouge. Ah, ouais. Et toi, du coup, là, depuis, t'as pas de. Reconquête, tout ça là. Et en mode chill. Elle va dire quoi? Max au mat. Ouais, c'est ça. Et ça te dirait, t'as vu, je t'invite à boire un verre. Dis non. Petit grec sans oignon. Dis non. Ça, la laine est safe. Je suis pas sûr
que ce soit une très bonne idée parce que. Ah, je suis claqué! On l'a perdu! Mais c'est pas ce que j'ai dit! Yo, je suis claqué! Oh frérot! Ouais! Eh, gros, tu sais que je suis en train de la gérer, elle! En vrai, c'est. Eh, t'as vu? T'as vu, elle a tarpé, gros! C'est vrai qu'elle a une remorque. Sur mon casier, il y a juste. De toute façon, personne va voter pour toi. Elle va te faire foutre, toi, avec tes spaghettis. Ta gueule, le vieux, ta gueule, le vieux, là. Ah, pourquoi tu mets des gifles à tout le monde, toi? Parce que c'est bien, j'aime bien le bruit. Vas-y, moi je te mets le bruit aussi. Je vais mettre ta vie. Je défends mon pote, toi. Oh, comment il m'a tiré. Il m'a mis deux claques, ça m'a niqué. Oh, il y a une meuf. C'est ta fille. Un million de dollars. Viens pour la transaction. T'as un million de dollars pour la dot? Ouais. Bah, d'abord, tu lui dis de me parler et après, je te donne. Eh, tu sais quoi? Suce mon doigt, espèce d'enfoiré. Allez, vas-y, suce-le bien. Les gars, bonne journée, hein. Et votez McCormack. On la ramène, les gars. Va voir El Rifé, il nous attend. Oh, pendejo. On l'a pété. Louis, comment on fait des babadaga? Baba Yaga. Comment on fait? Tu t'accroupis comme ça derrière quelqu'un? Ouais. Vas-y, Louis. Non. La con de ta mère, Louis. Louis, je vais te baiser ta mère. Arrête. En plus, c'est un fouet. Non, pas comme ça. Arrête. Wesley, si t'essaies de me le faire, je te baisse ta mère. T'inquiète, je le fais pas. Non, fais-le pas. Non, vas-y, c'est chiant en vrai de vrai. Vas-y, pas de Baba Yaga. On a eu un plan pour que je pécho. Sûr de chez sûr la gadjigo. Mais sûr de chez sûr. Zachary va se mettre tout noir. En full black cagoule. Full black TN, ok? Je vais dire à Poppy, t'es où? Elle va me donner une position, t'es d'accord? À partir de ce moment-là, Zach va la kidnapper. Il va l'emmener dans un endroit glauque. Il va tout lui prendre. Il va faire une annonce sur Twitter. J'ai ta femme, viens la chercher. Rançon 200 000 euros, je te la rends. Écoute-moi bien, c'est là où c'est magnifique ce que j'ai qui va se passer. Je vais aller la chercher et devant elle, je vais dire, c'est combien? Faut que je doive combien, etc. Je vais faire semblant de lui donner 200 000 euros. Donc là, c'est sûr qu'elle me prend zizi à la fin. Enfin, c'est sûr, elle m'embrasse à la fin. On va s'habiller en noir, lui aussi. Toi, tu vas y aller en blanc. On arrive là-bas et toi, tu dis, écoute, tu fais le chef de nous deux. Okay. Toi, après, tu lui baisses sa mère et s'il essaie de te faire quoi que ce soit, on sort le calibre. Ok, en fait, moi, je fais, bon, les gars, lui là, il m'a pris ma meuf et tout. Vous lui pétez la gueule s'il me la rend pas, ok? Mais gros, mais la strat, elle est incroyable. J'ai bougé, j'arrête. Je remets la démarche. Attends, style de marque. Ouais, je mets ou quoi? Ça va? Oh, calme! Bah, t'as dit quoi? T'as fait quoi là aujourd'hui? Tu faisais quoi là? Bah, écoute, j'étais gonzesse. Hein. Ouais, t'as changé de vêtements. Aujourd'hui, t'as un petit flow là. T'es une petite rockstar. Hein. T'as de beaux yeux quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, de beaux yeux. Tu sais. T'as un beau Franck aussi. Hein. Un beau quoi? Un beau Franck. Enfin, t'es fraîche quoi. On m'a proposé de participer à une émission. Ah ouais? Pour gagner plein d'argent. De quoi? Ouais. De télé. Ah ouais? C'est dard ça, mais c'est. Express. Bah, tu vois Pékin Express? Ouais, faut aller à Pékin le plus vite possible. Non, à Los Santos quoi. Bah du coup en fait faut être en duo. Jure? Ouais. Et tu veux que je sois ton binôme? Bah ouais, bah attends, avec tout ce qui s'est passé, j'ai vu comment tu conduisais et tout, je me suis dit c'est sûr tous les deux on va gagner, tu vois. Vas-y, on voit que c'est drôle, moi je suis chaud de faire ça. C'est demain? Vas-y. Et lundi, je te pète le fiac. Quoi? Non, je lisais un message d'un pote, putain. Ah. Je suis désolé, des fois ça porte à confusion des fois. Ah. OK, et si on gagne, c'est combien? 250 000. Quoi? Mais oui. Attends, faut qu'on trouve un truc cool. Le BG et la grosse fiac. Non, rien, putain. Tu veux faire chercher un nom. Ouais, non. Mais... putain, il casse les couilles, il arrête pas de. Non, mais en vrai, au pire, on met couple goal, hein. Ou les tourtereaux. Les tourtereaux, c'est incroyable, les tourtereaux. Allez, c'est noté. J'ai noté les tourtereaux. Bah, ça va, nickel. T'es disponible là ou pas? Pour quoi? Pour une voiture, précisément, le modèle. Sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Tu la gères comment? Puis je suis à 200 sur l'aisselle de Richter, là, t'as c'est 200, bon. Parce que là, t'as porté tes couilles. Démarche, il va y avoir petite blondasse. Ouais, Poppy. La blondasse le regarde. C'est bon, il a trouvé un client. La frappe à pas mort. Attends, il crie le mec là-bas, je vais aller le voir. Ouais. Oh, écoute-moi bien, tu me déstabilises encore une fois, je te mets une frappe de pavard dans ta face, ok? Zidane, 90ème minute, 3-3, attention, le petit s'approche, Zidane, il marque, wouh, 4-1! Je crois que t'as pas compris, mon ref. Frappe-le, Wesley, frappe-le une fois. Vas-y, ok, fais genre t'as trop mal et tu tombes par terre. Aïe, t'es trop fort! Stop, Wesley, putain, non, il est trop fort! Voilà, ça dégage. Oh, il m'a niqué sa mère, oh, je me pète. Bah, au lit, je suis aussi violent que ça, hein. Non, je... T'as rien à faire? Non. Bah t'inquiète. Bref, en tout cas, ils t'ont manqué de respect, donc j'ai dead ça, tu vois. Tu me plantes pas, hein. Non, jamais je te plante. Je vais pas planter. Je vais pas planter une marguerite qui est déjà plantée, voire une tulipe. Quoi? Avoue que celle-là a été bien trouvée quand même. Ouais. Ah, elle était bien trouvée celle-là, en vrai de vrai.
Okay. Bonsoir, bonsoir. Ceci est un putain de kidnapping. Donc maintenant, tu vas écouter. Tu vas. Ouais, je suis joué à quoi là? Tu vas aller dans la voiture là, dans le coffre. Si tu veux pas perdre un bout de bras, toi là. Ouais, t'es sérieux? Allez, toi avance, suis-moi, dépêche. Eh, regarde-moi. Toi, ferme ta gueule, toi. Oh putain, il a une arme, il a une arme. J'arrête, c'est bon, j'arrête. Allez, avance, va dans le coffre de la voiture là, de noir, derrière. Mais arrête, il a un couteau, arrête-toi. Poppy, Poppy, j'arrive, je viens te chercher. 100 000, sinon tu la retrouves mort. Quoi? Tu vas te faire briser le cœur à défaut de lui briser son cul. Retiens ce que je viens de te dire. Tu vas te faire briser le cœur et tu vas même pas lui toucher le cul. Au moment, je vous dirais, venez, on va avoir des putes, hein. Franchement, entre nous. Non, non, non. Mais moi, Poppy, c'est la femme de ma vie, t'entends? Ça va te gérer, hein. Allez, à moi de jouer. Oh, Pendejo, tu joues à quoi là? Tu joues à quoi, Pendejo? Parlez fort. C'est le pire braquage que je vois de ma vie. Là. Pire braquage là, c'est quoi cette merde là? Qu'est-ce que je fais ici? Bon, hé, hey, Pendejo, maintenant j'ai mon équipe. Hé, j'ai mon équipe. Tu bouges un pas de plus, je te soulève. Ah, il te soulève. T'as compris ou pas? Je te parle français ou faut que je te le parle dans une autre langue? Sors le gun, voilà, vas-y. Mets-lui sur la tempe. Ça te va comme ça? Moi, il est mort. Poppy, monte dans la voiture. Hé, hey, regarde. Hé, hey, moi, je passe pas par 4 chemins. Je vais t'étrangler. Oh là, comment je t'étrangle? Hé, hey, les gars, je vous le donne. Fracassez-le. Je reviens. Fracassez-le. Vas-y, monte, Poppy. Va en place avant. Ça va? Oui, ça va, mais j'ai eu peur. Putain, il s'est passé quoi? Raconte. Mais je sais pas. Tu pleures? Pendejo, tu pleures? Non, je pleure pas. Ok. Et il m'a dit, ouais, tu sais que ton copain est... Non, mais... Enfin, j'ai... Attends, tu m'as embrassé, là. Tu m'as embrassé. Merci, je vais mieux. Ça va mieux, là. Moi aussi, je t'avoue, ça me fait tout drôle. Tu m'as embrassé sur un coup de tête, comme ça. Non, en fait, je sais pas, j'avais besoin de réconfort, tu vois, ça allait pas du tout. J'ai cru que... Tu vois, j'ai cru qu'on allait mourir. Ok, non, là tu m'as vraiment embrassé pour de vrai là. Vas-y, monte dans la voiture. T'inquiète. Non, mais tu te rends compte, j'ai failli mourir et tu m'as sauvé la vie. Et du coup, je me suis dit, oh là là, en fait, cet homme il est trop. Enfin, t'inquiète, y'a pas de soucis. Moi je t'ai dit, je serai toujours à tes côtés. Je suis grand maintenant. T'as la chatte poilue ou pas? Ouais. Quoi? Quoi? Non, c'était un vocal, mais toi t'as répondu quoi là? Putain, les vocales ça bug. Ouais, tout. À toutes. Ouais. Ouais, Zach, c'est bon, vas-y, on décolle. C'est bon, je suis grand maintenant. Je suis grand maintenant. Attends, jure, il a réussi, je suis grand, les gars. Oh là là. Je suis grand. Alors gros, j'ai mis la langue. Jure. J'ai mis la langue. Fais pas de calme. Non. Attends, putain, merde. Pourquoi t'as la bite toute dure, Wesley? Comment tu la vois? Elle fait 3 cm. Montre-moi tes voitures, tonton. Bon, allez, viens. Vas-y. Voilà. Oh. Mais c'est mon circuit. Oh. Voilà. Oh. Ah, mais toi, c'est une vraie Formule 1, tonton. Attends, mais gros, genre, y'a des F1 dans GTA. Ok, tonton, fais la course. 3, 2, 1, go. Oh, c'est trop stylé, on dirait vraiment du... Mais attends, mais les gars, on dirait vraiment on est sur un jeu de cartes. Oh, l'enculé. Mais il est chaud, lui. Oh, comment je fais que je prenne les virages? Attends, mais il me fume, là. Comment je le rattrape? Mais attends, c'est un tricheur. Il a une fusée. Je le vois plus. Bah alors, tonton? Tonton? Il va trop vite! Tonton, ça va? Wallah billahi, mais tu as vraiment... Tonton. Tonton. Mais tu es idiot. Wallah billahi, tu es idiot. Tonton, j'étais à contre-sens. Oh. Tu aimes ça? Oh. T'as un gros ventre, mais est-ce que t'as un gros zizi? Bah, je le vois pas, mon ami. Ah, tu vois pas? Pourquoi tu le vois pas? C'est gros ventre. Ah oui, mon ami. Tu sais, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais quel âge? T'avais quel âge, tonton? Eh ben, je n'avais même pas l'âge de voir mon sexe. Voilà, billahi, c'était dans le miroir. T'es moi aussi. Tonton? En Y. Voilà, tu l'as mis en Y. Eh, tonton, on fait comment, là, s'il te plaît? Allô? Ouais, allô, Poppy. Ça va ou quoi, mon sucre d'orge? Ça va et toi? Ouais, ça va. On se voit là, t'es chaud? Oh, ouais. Pourquoi y'a Lara Croft? Coucou! Ah, mais c'est toi? Bah oui! Ah, ça va ou quoi? Bah ça va et toi? Ouais, au calme! Mais attends, tu m'expliques. Bah c'est pour l'événement. Ah oui, non, mais là, c'est tu tournes quoi? Un film ou tu tournes. Pas tu... Non, si, c'est carré, hein! Faut qu'on aille où? Au parking central. Vas-y, monte. Yo, tout le monde! C'est bien de monter dans les bus. Vas-y. Wow! Bonjour, mesdames et messieurs, ici à Django Bongo du Vessel News. Un petit bruit s'il vous plaît dans les bus. Ouais. Ce soir, mesdames et messieurs, vous allez participer à le Los Santos Express. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Oui.
oui, mesdames et messieurs, nous vous avons demandé de venir en ces lieux pour participer à la célèbre émission comme les Pékin Express. Mais en fait, c'est Los Santos Express, oui. Ouais. Voilà, voilà. Là, on va vous expliquer le concept. Dès que vous aurez le feu de départ. On a un briquet dragon. Pour le feu de départ. Quoi? Non, je vais tirer en l'air. Oh, okay. La vie de ma mère que je suis l'Under Dragon entre nous. Par contre, attention, c'est pas de maman, c'est ma vous êtes vous? Et c'est toujours à Django Bongo pour le Vezel News. Merci à vous d'être ici et de nous suivre l'émission Los Santos Express du Brésil. Ouais, 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 ouais. Chers participants, bienvenue à cette première épreuve de Los Santos Express. Celle-ci va consister à tout simplement gravir le mont Chiliad. La première équipe arrivée en haut, elle aura un bonus. La dernière équipe aura un malus. Okay. Attends, faut monter en haut de ça. Oui, tout en haut du mont Chiliad. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Ok. 3, 2, 1. Vas-y, viens Poppy. Monte. Descends. Quoi? Non, on va être éliminé. Ah, on a pas le droit. Vas-y, viens. Cours, cavale. Oh, t'as un bon petit cul, toi. Merci. J'arrive. Oh, le cul. Oh, j'arrive, je cours. Reste devant moi, ça me donne envie de courir. Quoi? T'as dit quoi, Larziz? Je pense que c'est plus endurant. Allez, vas-y, go. T'inquiète, Oli, je suis plus endurant. Quoi? Non! Pourquoi je suis KO? Gagné, allez. On est grave maintenant, bien joué, Poppy. On n'est pas dernier. Let's go, le chat! On s'applaudit dans le chat! Poppy, mets la boîte dans le cul. Quoi? Attends. Attends, je me relève, attends. J'ai le cardio d'un streamer, la tête. Non, non, bouge pas. Oh frérot, c'est trop. Lou, Django, le sang. Nous allons annoncer le départ. Oh, deuxième épreuve, les gars. Est-ce que je la gagne? Siri, là où tout a commencé, donc il faut que tout le monde descende, s'il vous plaît. Quoi? À pied? Il faut descendre. À pied? Comme vous voulez, mais ils vont descendre. C'est quoi les bonus? Ok, il faut descendre. Poppy, viens, j'ai une strat. Comment on fait? J'annonce tout là-bas, on descend. Ok, Poppy, faut descendre. Poppy. Ah, on peut monter? Oui, viens. Ah, on peut aller dans l'hélico? Ah oui, on est organisateur. Genre, on peut aller dans l'hélico? C'est pour moi ou quoi? C'est possible, je suis organisateur aussi. Attends, bah non. Vas-y, je te laisse ma place. Ouais, c'est que les indicateurs. Bien vu. Voilà. Ah, parfait. Ah. Préparez-vous au démarrage. Faut pas que je meure par contre. Oh putain de sa mère. Oh. Oh, c'est incroyable. Oh. Oh. J'arrive pas. Ma... La vie d'homme, je suis trop heureux. Oh non. Mesdames et messieurs, bravo pour cette finalisation de la première épreuve. Alors, la deuxième épreuve, mesdames et messieurs, consiste à le covoiturage. Oui. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver des véhicules pour arriver jusqu'à l'aéroport. Lequel? Évidemment, l'aéroport de la ville. Oh, il est loin. Tout le monde est prêt? Ouais, on est prêt. On est prêt. Tous en ligne, s'il vous plaît, les participants en ligne. 3. Tom, tu te dépêches. On a une là derrière. Viens, Poppy. C'est moi. Vas-y. Go trouver une voiture. Allez, montez. Oh, Poppy. Poppy, viens. Mais attends, hé, t'es un pavon, toi. Tais-toi, sinon je t'embarque. Ok, j'arrête. Je dirai rien. Ça, c'était pas prévu. Attends, mais ça, c'était pas prévu, ça. Mais on a droit en hélico. Oui, tous les véhicules. Comment on va trop vite? C'était bien joué à tous les participants, mais on a clairement gagné. On est les premiers. Raouf, t'es sur place. Poppy, on est les premiers. Let's go. Le chat, je veux des GG. Oh putain, mais attends, mais c'est les Avengers? Il y a les Avengers. Attends, il y a les Avengers. C'est à vous là le truc des Avengers? Oh, je te parle. Attends, faut qu'on arrive. Ouais, c'est à moi. Regarde. Eh, y'a Iron Man dedans? Dégagez de là. Attends, mais gros, comment il est ça? On a gagné. Oh, on a gagné, ma chérie. Ouf, accélère un peu, frérot. Ouais, faut bien qu'on voit. Limite, décale-toi un petit peu encore. Attends, je vais regarder ce qu'il y a dans le carton. Oh, attends, je regarde. Voilà, regarde ce qu'il y a dans le carton. Allez, fais l'interview, mon frérot. C'est parti. Ils sont les CMS. Criez, s'il vous plaît. Interview. Applaudissez les verts, hein, vous êtes deuxième. Je vais J'ai pas de sœur, bâtard. Yo, attends, Django.
Il me tue avec son doigt d'honneur. J'ai une mauvaise nouvelle pour cette app-là. Il y en a beaucoup qui ont triché. Les échos s'interdisent. Quoi? Mais c'est une blague ou quoi? Non, écoutez. Là, c'est du covoiturage. Écoutez, s'il vous plaît. C'est du covoiturage. Covoiturage égale voiture. Point barre. Dis pas qu'on le refait, s'il te plaît. Mais c'est du foutage de gueule ou c'est comment? Du coup, l'ordre de là, ça compte pas. Mesdames et messieurs, c'est à Django Bango pour Vezel News. Toujours le Los Santos Express. Je suis toujours avec les participants. Ils sont chauds. La suite de l'épreuve, mesdames et messieurs, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez devoir partir d'ici l'aéroport de la Sandy Shore jusqu'à l'amphithéâtre 3. Pop, suis-moi. 2, 1, go! Il va nous voler notre voiture. Oh, les gars, on va perdre. Putain, mais on va pas y aller en courant. On va pas y aller en courant. Oh, Poppy, monte. Bon, il Poppy vient de récupérer. Ah, bah enfin, je t'ai crié dessus, toi. En ce moment même, regardez, un véhicule. On arrive en premier. Mais non, c'est peut-être pas lui. Bah, je sais pas si encore c'est lui. Ça avance. C'est là-bas, trace. Vas-y. Oh les fils de... Allez grosse merde, bouffon. Commandant des pizzas toi, allez. T'es un chien, c'est à cause de toi. Ah oui, bouffon. Oh les violences. Putain, j'ai trop le seum, on a perdu. Les gars, c'est à cause de Trix, si on a perdu. De base, on avait gagné. Lui, j'ai le droit de lui mettre... Donc, si c'est pas la... Ils sont les codés. Là c'est beau, je te reconnais. Ils sont fait qui? Pourquoi ils... Faites un 1v1 et on verra qui est premier, go. Vas-y, Rachid. Aïe. Ils sont en 2v1 là, putain. Allez, de merde. Voilà. Alors, vous êtes prêts pour le... Je vais donner le top départ parce que, par contre, on a, je répète qu'on n'a pas le droit de récupérer la même voiture et on rajoute une dernière règle. Pas droit de taxi, c'est bon? Comment ça? Ah, t'as trop le seum, enculé! Allez, boue! Vas-y, Poppy, cavale, on s'en bat les couilles des autres! Cavale, on s'en bat les steaks! On sort de la caisse tout de suite! Mais Joyzé, avance! Dépêche-toi, descendre, fils! Poppy! Vous croyez en blague ou quoi là? Tu crois que je suis là pour rigoler avec toi, frère? Je rigole! Vas-y, nique ta mère et casse-toi! Elle refait! Ouais! Poppy, elle s'est fait tirer dessus, viens à ma pose, viens maintenant! Je suis en braquage là! Mais je m'en bats les couilles! Y'a un gang! Je suis en braquage! Je suis en braquage! Putain, appelle quelqu'un! Vas-y, je vais voir! Vas-y, emmène-moi au point de ralliement! C'était quoi? C'était le tequila là? Je crois, ouais, c'était ça. Non, on était premier, sauf qu'à chaque fois des gens trichaient. Et là, je fais pour la dernière épreuve, pour encore être premier, pour empocher 250 000 $, et il y a ma meuf qui se prend une balle de gun. Donc il y a zéro organisation dans l'émission. Franchement, je suis déçu, les gars. Il me faut une indemnité là. Si je peux me permettre. Le problème, c'est pas l'émission ni ses organisateurs, parce que Poppy, elle s'est fait tirer dessus par les agents de sécu du banquier. Et tout ça, ça vient de McCormack. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à monsieur McCormack, ses agents de sécurité? Putain, bah. Il casse les couilles. Ok, mais ce sera le mot de monsieur Wesley, d'accord. Il casse les couilles. Mais non, mais il faut qu'on vote pour lui. Votez McCormack. Bah non, du coup. Il a tiré sur ta meuf. Il a tiré sur ta meuf, frérot. Posez pas de questions, votez McCormack. Ok, ça marche. Eh frère, McCormack, faut que je vote pour lui, moi. Mais pourquoi faut que tu votes pour lui? Parce que... Ah, parce qu'il t'a payé. Passe à l'hosto, là, y'a ma meuf qui saigne. Bonjour, monsieur. Wesh, Poppy, ça va? Ouais, ça va. Putain, j'ai eu la peur de ma vie, wesh. Je me fais plus ça. Non, ça, ils m'ont juste... ils m'ont rattaché au bras, enfin, ils m'ont... Tout va bien. Fais attention à toi, okay? Ouais, mais là, je sais pas ce qu'il va faire. Non, allez, vas-y. Bisous, bonne soirée. Allez. Il m'ichetonne là, après jette là, hermano. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu crois que c'est l'amour de ta vie ou quoi? C'est pas l'amour de ma vie. C'est une grosse folle. Elle s'est tapée toute la ville. Ah ouais, elle s'est tapée toute la ville. Et Chico, c'était vraiment son gars depuis longtemps. Et elle était mariée. Elle est restée peut-être 4-5 ans avec lui. Et après, je sais pas, elle a eu peut-être la schneck en feu. Et elle s'est tapée. Je sais qu'elle était sur 3 mecs à l'époque. Il y a une semaine de ça. Ça veut dire que c'est pas une meuf fiable? Je commence à bien l'aimer. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Pendejo. Attends, regarde dans les yeux, Pendejo. Écoute-moi, je vais te niquer ta mère. Je vais te niquer ta grand-mère si tu me redis un pendejo. Ok. Écoute-moi bien. Le jour où tu tombes amoureux de cette femme, je te mettrai une balle dans la tête. Quoi? Je veux pas d'homme amoureux chez moi. Regarde comment tu m'as parlé tout à l'heure. Tu m'as appelé, ouais, vas-y. Alors que j'avais 5 voitures de poyos derrière moi. T'as raison, réveille-toi. Réveille-toi avant que ce soit moi qui te réveille, Wesley. Si tu veux tomber amoureux, hermano, je te le dis dès maintenant. Prends tes affaires et barre-toi. Vraiment? Moi, je t'ai pris sous mon aile. Elle réfait, je suis désolé. J'ai fait un braquage, j'ai gagné 500 000. T'étais où? T'étais avec madame en train de faire Pékin Express. Elle s'est fait tirer dessus, tu lui as payé même l'hôpital, peine des roues. Elle réfait! Mets-moi en une maintenant! Elle réfait! Comment on en est arrivé là?